Six jours après le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum, la France a décidé de lancer une opération d'évacuation de ses ressortissants. Le premier avion a décollé ce mardi de la capitale Niamey aux alentours de 16 heures. Une décision qui intervient après des manifestations réclamant le départ des forces françaises du pays. Et sachez par ailleurs qu'une délégation mandatée par la CEDEAO est attendue ce 2 août 2023 à Niamey dans le cadre d'une médiation. Situation relative donc au coup d'État contre Mohamed Bazoum. Le chef de l'État nigérien est toujours séquestré dans la résidence présidentielle par les hommes du général Abdulrahman Tiani, ancien chef de la garde présidentielle, qui est désormais à la tête du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Et pour évoquer ces événements, ce coup de force des militaires, nous accueillons Monsieur Idrissa Waziri, président en France du PNDS, le parti du président Mohamed Bazoum. Bonsoir. Bonsoir, Madame Mohamed. Bonsoir. Alors, le président Mohamed Bazoum, on l'a dit, est séquestré depuis presque 6 jours maintenant par sa garde présidentielle. Quelles sont précisément les conditions dans lesquelles se trouve le président Mohamed Bazoum et dans quel état d'esprit est-il actuellement? Écoutez, le président va bien. Je l'ai eu à plusieurs reprises. Comme vous l'avez vous-même dit, il est séquestré depuis 7 jours, on va dire. Il est dans un bon état d'esprit, assez déterminé. Cette situation que ces militaires nous imposent n'a de réponse que notre détermination ferme à faire en sorte que l'ordre constitutionnel normal puisse être rétabli. Alors, le gouvernement nigérien est-il en discussion avec les militaires qui ont pris le pouvoir depuis maintenant presque une semaine, avec notamment plus précisément le général Tiani, qui est actuellement le chef, qui était le chef de la garde présidentielle et qui est à l'origine donc de ce coup de force. Écoutez, puisqu'on est là dans le cadre d'une phase de tentative de coup d'État, vous êtes sans aucun doute au courant qu'il y a une vague d'arrestations lancée contre nos militants, contre le gouvernement. Donc à ce jour, on peut dire qu'il n'y a pas de contact entre le gouvernement légitime et les putschistes. Il y a des contacts qui sont établis avec la CEDEAO. Ce sont ces contacts-là qui, aujourd'hui, sont à la manœuvre pour essayer de nous éviter vraiment des lendemains difficiles. Donc aucun contact avec le gouvernement reconnu par la communauté internationale et les putschistes, ceux qui ont pris le pouvoir depuis presque une semaine. Dès lors que les putschistes séquestrent le président de la République, garant de la Constitution, dès lors qu'ils disent eux-mêmes que les institutions sont dissoutes, vous voyez, donc on est dans une situation où le pouvoir est pris en otage. Donc c'est une tentative de coup d'État. Il n'y a donc aucun contact entre le gouvernement et les putschistes. Il y a, comme je l'ai rappelé, aujourd'hui un contact avec la communauté internationale qui, elle, fait bloc pour appeler au rétablissement de l'ordre légal. Je pense que c'est la seule issue possible. Alors, on a vu au cours des dernières années des événements similaires se produire au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, où les militaires ont pris le pouvoir. Est-ce que la marge de manœuvre du gouvernement nigérien reconnu par la communauté internationale n'est pas quelque peu limitée dans sa volonté de rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions de président? Nous sommes là dans des cas totalement différents. Il faut dire que dans les pays que vous avez cités, à chaque fois, il y a eu un contexte politique majeur qui a déterminé l'intervention des militaires sur l'arène politique. Au Niger, il n'y a pas de raison aujourd'hui qui peuvent justifier une intervention de l'armée. Vous avez vu, les putschistes ont tenté justement en vain de justifier leur tentative de putsch en brandissant un certain nombre de points, notamment la situation sécuritaire, qui de tout point de vue est aujourd'hui meilleure qu'il y a 10 années. Donc vraiment, moi je pense que c'est un coup d'État qu'ils tentent de faire sur la base d'objectifs de fallacieux qui n'ont pas lieu d'être. Donc nous sommes tout à fait disposés et nous sommes confiants quant au fait qu'il n'y a pas une seule issue possible pour eux, il n'y a que le retour à l'ordre constitutionnel normal que nous envisageons. Alors, on l'a dit tout à l'heure, les dirigeants de la CEDEAO ont fixé un ultimatum d'une semaine à la junte militaire au Niger pour un retour complet à l'ordre constitutionnel, d'après les mots des dirigeants de la CEDEAO, affirmant ne pas exclure un recours à la force si jamais cette demande n'est pas respectée par la junte au Niger. Est-ce que le positionnement de la CEDEAO est le positionnement que vous attendiez? Est-ce que
vous estimez qu'il est à la hauteur, il est à la mesure de la situation? Tout à fait. Vous savez, à la dernière session de la CEDEAO tenue en Guinée-Bissau, le président Ebola Tinubu a réaffirmé un principe qui est désormais, nous n'allons plus cautionner de coups d'État dans notre espace. Et donc aujourd'hui, il joue lui-même sa crédibilité et sa parole d'honneur. Vous avez vu dimanche dernier à Abuja, la CEDEAO a eu une session extraordinaire dans laquelle ils ont donné un délai d'une semaine aux militaires pour qu'ils puissent rétablir le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum. Une série, une batterie de sanctions inédites, jamais appliquées à un autre pays, sont déjà élaborées et commencent déjà à frapper le Niger. Donc nous avons bon espoir que d'ici l'écoulement de ces délais d'une semaine, la junte, en tout cas, se rappellera de son serment de militaire et ils vont retourner à leur rôle traditionnel, qui est celui de garantir la sécurité de notre pays. Alors, est-ce que vous commencez à avoir quelques informations qui vont justement dans ce sens du côté de certaines mesures prises au cours des dernières heures par l'agence? Écoutez, je viens d'apprendre en venant sur votre plateau que la BCAO a fermé déjà le robinet au Niger. Il y a déjà une situation de pénurie et d'inflation galopante. Exemple, le prix de la tonne de riz a déjà augmenté de 25%. Donc vous savez, le Niger est un pays enclavé. Les ports que nous utilisons sont essentiellement des ports qui seront bientôt bloqués. Donc vous imaginez, le Niger ne peut pas vivre un enfer à ciel ouvert. Donc bientôt, on va manquer d'électricité puisque nous l'importons du Nigeria. Il n'y aura pas d'avion au départ et à l'arrivée à Niamey. Il n'y aura pas de médicaments. Donc ça sera une situation tellement intenable, l'inflation sera galopante. Il n'y aura pas de transactions avec les banques. Moi, je pense que cette situation, quelle qu'en soit la robustesse d'un pays, elle ne peut pas vraiment y faire face. Donc, j'ai bon espoir qu'avant ces délais d'une semaine, les militaires puissent tenter une sortie par le haut et rétablir l'ordre constitutionnel normal et retourner à leur obligation de sécuriser notre pays. Alors, dans un communiqué conjoint, Bamako, Ouagadougou apportent leur soutien, mais aussi, on l'a vu, la Guinée apporte leur soutien aux militaires qui ont pris le pouvoir au Niger et affirme qu'une intervention militaire pour rétablir le président renversé serait assimilée à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et contre le Mali. Est-ce que vous craignez un embrasement régional? C'est un positionnement qui est aujourd'hui une manière pour eux de faire parler d'eux. C'est opportuniste et populiste. Ils n'ont aucun moyen, eux qui ont du mal à garantir la sécurité à leurs concitoyens, de voler au secours d'un régime putschiste qui est aujourd'hui rejeté et vomi par la communauté internationale. Alors néanmoins, ça crée quand même une crise au niveau de la région, ça on ne peut pas l'ignorer. Mais il n'y a pas de crise aujourd'hui. Vous savez, ces genres d'actions sont toujours nourries derrière par un certain populisme, qui est ce que vous voyez aujourd'hui. Mais il est en vrai une réalité que les démocrates du monde entier, particulièrement au Niger, s'en vont debout pour que notre pays qui retrouve une stabilité et une croissance importante. Vous savez, notre modèle est cité en exemple aujourd'hui. Nous venons de réaliser une première alternance démocratique. Il est donc impensable que ces acquis-là soient aujourd'hui rejetés et parce que tout simplement un certain nombre de militaires pour des raisons personnelles et pour des raisons tirées essentiellement des réseaux sociaux, viennent interrompre l'ordre normal des choses. Alors, les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger ont accusé la France de vouloir intervenir militairement, ce que la France a démenti quelques heures plus tard. Est-ce que du côté des autorités nigériennes, pardonnez-moi, vous réfutez également cette information? Oui, c'est le signe d'un désarroi complet de cette junte qui a pensé qu'il suffisait de séquestrer un président pour s'arroger la plénitude du pouvoir. La réalité est tout autre. Et j'ai vu leur communiqué, effectivement, numéro 14, dans lequel ils font des allégations mensongères sur le dos de la France pour essayer ici de créer un sentiment de chaos. Je n'ai pas la preuve parce que s'ils avaient cette preuve, ils allaient brandir le document avec la signature du Premier ministre par intérim. Donc ce document n'existe pas. Pour moi, ce sont des gens qui sont complètement au désarroi, qui tentent aujourd'hui de justifier l'injustifiable. Donc sincèrement, moi j'espère que cette gente va vraiment entendre raison, entendre cet appel de la communauté internationale qui leur demande vraiment de restaurer l'ordre légal. Pour moi, rien n'est perdu. Ils peuvent négocier une sortie par le haut. Alors, si éventuellement cette situation était amenée à se prolonger, est-ce que finalement vous reviendriez sur votre parole, à savoir demander une intervention militaire de la part de la France? Écoutez, aujourd'hui, la CEDEAO, en sa session extraordinaire du dimanche dernier, n'exclut pas l'intervention militaire.
Ils nous parlent, on ne parle même pas de la France. C'est eux qui essaient ici. On voit que dans leur manifestation... Oui, alors d'un côté, il y a l'intervention, possible intervention militaire de la CEDEAO. Absolument. Et la France qui est accusée de vouloir intervenir militairement. Est-ce que si jamais cette situation se prolongeait, vous voudriez que la France intervienne au Niger pas, ou alors vous allez vous contenter d'une intervention militaire? Nous ne pouvons pas donner un crédit à des allégations de putschistes. Nous disons qu'aujourd'hui, considérons même que la voie de l'intervention militaire soit abandonnée. La batterie de sanctions qui risque de frapper notre pays sont des sanctions inédites dans ces genres de cas. Le Niger ne peut pas vivre à ciel ouvert. Voyez, ça sera l'enfer total sur notre population. Nous sommes un pays totalement enclavé, un pays pauvre. Donc, nous importons essentiellement toutes les denrées alimentaires, notre énergie. Lorsque nous serons isolés du monde sans transaction bancaire, ça sera très difficile pour nous de tenir. Donc, même si on isole l'option militaire, on ne peut pas tenir. On espère que ça ne va pas se prolonger. Alors, nous avons bon espoir. Alors, une toute dernière question. Jusqu'où est prêt à aller le gouvernement nigérien pour rétablir le président Mohamed Bazoum? Écoutez, aujourd'hui, le gouvernement nigérien, le président, comme je l'ai rappelé, lui-même est séquestré. Aujourd'hui, la communauté internationale, notamment la CEDEAO, qui a pris en tout cas aujourd'hui l'engagement, conformément à l'engagement du président du Nigeria à la dernière session ordinaire de la CEDEAO, de mettre fin au putsch qui constitue un recul énorme pour nos pays. Donc, on ne peut pas cautionner que des gens s'engagent en politique pour avoir le suffrage du peuple et qu'à côté, des militaires puissent vraiment s'arroger les pouvoirs de l'État. Il est normal que nous puissions mettre fin. Et pour mettre fin, il faut prendre des mesures qui sont des mesures importantes, qui pourront être dures. Et je l'espère qu'on n'arrivera pas à l'application de ces sanctions contre le Niger et que les militaires vraiment regarderont d'un côté leurs intérêts personnels, mais surtout les intérêts de la patrie des Nigériens. Idrissa Waziri, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président en France du PNDS, le parti présidentiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup.